Maëlle, on est sur un enfant qui m'a vomi dessus. Attends. Oh. Attends, tu je te veux que passe je... le linge. Attends. Ben alors, Lily, c'est comme ça qu'on traite sa tante? On bavouille? Il a des cheveux très clairs. Il est complètement ouais, mais mouillé. Mais aux racines, après, c'est ses cheveux de la naissance. On s'assoit comme ça, il sera un peu mieux. Mais regardez-moi cette petite beauté. Ma puce. Ah, ça y est, hein, ouais, mais parce qu'il a les gencives qui poussent. Enfin, ça double les gencives. Donc là, il bave ça lui fait mal. Alors, oh bah alors. Bah dis donc. Il y a de la régurgitation là-dedans. Hein, Lily? Alors. Et tu sais que c'est 3 mois aujourd'hui? Il a 3 mois c'est aujourd'hui. 3 mois aujourd'hui? Oui, le 20 septembre, il est né. On n'a rien apporté. Oh mon puceron. Regarde, il fait les pointes. Future danseuse ou danseur. Bah, c'est un garçon, quand même. Ben, oui. Danseur. Non, mais c'est ça, exactement. Hein? Il fait pas ses nuits? Non, ça va. Il fait 23h30, 8h30. Et pourquoi les gens, ils couchent là? Attends. Mais nous, depuis hier, on essaie une nouvelle technique. C'est quoi? Hier, on l'a couché à 20h30. Mais il s'est réveillé à 4h30. Oh, c'est chiant. Parce qu'il est décalé. Donc en fait, tout est... Oh oui, tu parles. Bah, du coup, je ne sais pas ce qui est le mieux. Mais pour vous, c'est quoi le mieux? Pour vous? Ah oui. Bah disons que là, on n'a aucune soirée, parce qu'il se couche vraiment entre 23h30 et minuit. C'est ça. Donc, quand t'as pas la soirée, c'est un peu... Ouais. Tu préfères dormir plus ou avoir une plus longue soirée? Mais on sait pas trop encore. Faut leur couper les cheveux un moment ou non? Pas du tout. Bah, je sais pas du tout à quel âge, je me suis pas renseignée. En fait, tu peux lui laisser pousser les cheveux. Ouais, ça sera un vrai italien. Livio. Livio. C'est drôle. Oh, mon bébé. Mon bébé. Mais t'en as partout, hein? Mais oui, t'en as partout! En plus, il a bien le col en V, comme un Italien. Il manque plus que les poils sur le torse. Hein? Oh, mon poussin! Oh, là, 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 tu le veux un peu? Oui, c'est joué. Quelle beauté! Oh! Mais alors? Ça et toi, ça va? T'as plus mal partout? Non. Non, ça c'est bien. Tout s'est bien passé. Arrangé. Franchement, même l'accouchement et tout. Ouais, tu m'avais dit, c'est nickel. Ah, il a peut-être froid, parce que c'est mouillé. Oh, bébé. Oh, bah alors. Ouais, mais je pense qu'après, on ira le changer. Ouais. Parce que tu le gardes toujours dans 2 jours. Oui, je le garde, mais j'allais te dire, moi, j'ai jamais changé une couche de ma vie, donc ce serait bien que tu me fasses un stage. Eh ben, on va le changer. Même pas avec des poupées. Bah non. Franchement, je me souviens pas. Bah, tu vas le changer, comme tu verras. Franchement. T'as peut-être pas eu de couche. Non, pas... pas du tout. Parce que... Mais là, de toute façon, je pense qu'on va le changer. J'irai chercher un nouveau body. Et... Ben, il a toutes les 2 heures, j'essaie de changer la couche. Oh, chérie. Mais ça va, il pue pas trop. Bah, le lait, après, ça... quand ça sèche... Ouh, je sens des petits... Des petits pets, il m'a pété dessus aussi tout à l'heure. L'accueil. Et du coup, tu disais que genre, tu t'attendais tellement à ce que ce soit horrible que c'était plus horrible. Que c'était l'accouchement? Ouais. Ah ouais, non, franchement... Ah bah, avec la péridurale, c'était top. Oui, mais il y a des gens qui le vivent hyper mal, même avec la péridurale. Non, parce que les contractions, je ne les ai pas trop senties. Oui, avant, la... Franchement, ça allait au niveau des contractions. Bah, comme j'ai des règles hyper douloureuses, je pense que ça ne m'a pas choqué la douleur des contractions, parce que c'est un peu pareil. Hein. Et après, non, péridurale, ils te la mettent à 4, donc ça va très vite, en fait. Et après, péridurale, tu ne sens plus. Ouais. Jusqu'à la fin, tu sens quand même un peu la péridurale qui lâche pour que, en fait, tu puisses bien pousser. Oui. Et non, la délivrance, ben non. Comme s'il y avait un regarde, tampon comme il gigantesque. Relève la tête. Oh mon repose-toi. Dieu. Et fatigue là. Et un gros tampon qui sort. Et après, ça, c'est... t'avais pas eu de, t'as pas eu de, enfin ça va, ça c'est. Non, après t'as les points, ça c'est horrible. Ah ouais. Mmh. Ah ouais. C'est horrible parce que bah déjà t'as peur d'aller aux toilettes, d'aller à la selle. Ça doit être horrible. Oula. Ah ça ouais. Comment... Il ça pue. Sent un petit peu, je crois. Hein. Ah bon? Et ça a duré combien de temps après ça? Allait mieux? Combien de temps? Non, les points, c'est mais pendant 3 semaines, t'es pas au top, top, top. C'est-à-dire que tu peux tu pas t'asseoir, tu oui. peux pas. Oh. Bah, tu peux t'asseoir sur une demi-fesse. Quoi. Et allongé, ça va. Allongé, ça va, mais en fait, t'es fatiguée de l'accouchement, mine de rien. Oh. Enfin, des 9 mois de grossesse. Ouais. Et. Non, mais les points, c'est quelque chose. Hein. Il y avait de la couture, tu sais. T'en avais beaucoup? Non, j'en avais 3 internes, 3 externes, ce qui n'est pas énorme. Alors, tu vas maman? Mais t'as vu ce que t'as fait à maman, toi?
Et oui, t'es née à 3,690 kg, ma petite crotte. Quand même. Non, ça va au final. Donc ça, c'est le truc principal. Si je l'ai voilà. pas, je suis embêtée. Ah mais, oui. Parce que quoi qu'il arrive, je vais certainement devoir le changer. Oui, oui, bah oui. On enlève son petit pantalon. Il faut que je lui dise. Ouais, il faut que tu lui parles à chaque fois. Mon chéri, je vais t'enlever ton pantalon. Mais c'est pour le bien de ta couche et de tes petites fesses. Hop. Bon, tu regrettes pas, quoi. Non, par contre, ta vie, c'est plus du tout la même. C'est pas possible. Tu peux pas. Tu es... En fait, lui, il te prend toute ta... Toute ton énergie. Toute... Il prend toute l'énergie. Et tu peux pas ne pas le regarder, même... C'est vrai qu'il est... En plus, il est vraiment beau. Alors, il faut enlever la couche. Change la couche. Voilà. Donc là, j'enlève la couche. J'enlève comment? Comme ça? Alors, fais gaffe parce que... Il peut te faire pipi dessus. Ah merde. Donc en fait, tu laisses la couche comme ça. Et en fait, il faut que tu prennes dans, dans sa trousse. Bien. Voilà, okay. C'est ça, le liniment. Et normalement, tu commences voilà, par le tu haut. Tu commences là. Par le zizi. Voilà. Et après, tu vois, tu vas dans le plus bas. Parce que le caca, généralement, c'est plus... tu vois, plus, coucou, plus sale, Livio. Quoi. Ok. Livio. Et là, c'est fini ou faut refaire? Non, tu refais un peu pour qu'il en ait un peu de partout. Il aime bien quand je le prends comme ça. Alors, vous voulez quoi en thé? Ah, tisane. Tisane. Infusion d'hiver, saveur orange cannelle. Très bien, très bien. Parfait. Mila? Parfait. On voit tes petits cuissons, tu dois avoir froid aux petites pattes. Allez. Mais toi, tu racontes quoi sinon? T'es toujours aussi discrète sur ta vie privée. C'est fou. Aussi célibataire? Ben, je sais pas, t'en es où? Il a pété. On change de conversation. Non, non, mais je te jure, il vient de faire mitraille. Et là, il t'a bavé. Alors, autant te dire, sur ton jean. Ah merde. C'est pas vrai. Oui. Un peu plus sur ton jean, sur ta main. T'as un bracelet blanc. Il y a des fois où tu dois te sentir un peu dépassée, non? Oui. Attends. Regarde, là, il sait plus où elle est. Oh, si c'est pas assez chaud, faut remettre. Je pense, parce que... Oh là. J'ai un doute. Enfin, goutte, quoi. Il est trop content, là, par contre. Renouveler et acheter une bouilloire, hein, quand même. Une... Donc, toi, t'en es... tu peux éviter de changer de sujet. Là. Oh, il m'a pété dessus. Non, il se peut que j'ai rencontré quelqu'un. Mais c'est tellement récent qu'on va pas s'emballer. Est-ce qu'on peut savoir le curriculum vitae de cette personne? Le pédigré? Il s'appelle Bastien. C'est mignon. Il a 28 ans. Il est, il fait des pubs, des vidéos, des pubs pour des marques, des trucs comme ça. Ouais. Et regarde sa tête. Elle le savait? Pas trop. Bah, me doutais de quelque chose, mais là, j'en apprends. Ben non, mais c'est tout. Il est très gentil. Tu as rencontré où? J'ai rencontré, en fait, c'était le, c'est le pote d'une, c'est le frère du, bah, d'une meuf avec qui est sorti Jimmy. D'accord. Et on s'est rencontrés comme ça. Mais voilà, ça va faire quelques petits mois, quoi. Ah bon? Bah oui. Enfin, c'est... Cachotier. Non, mais très peu. T'es attachée? Hein? T'es attachée? Je l'aime bien, ouais. Il est gentil. Oui. Est-ce qu'il est marrant? Il est très drôle, mais sans faire exprès. Il est très très drôle. Je pense que tu rirais beaucoup avec lui. C'est vrai? Oui. Ben, un jour peut-être. Et on peut voir une photo? Oui, on peut. Ah ah. Waouh, je vais découvrir la bête. Un end. Non mais tu vas rire, je pense. Oula, il est marrant. Sa tête est drôle, non? Ah oui. Il est chou. Il a l'air sympa. Oui, il est très gentil. Tiens, prends mon téléphone. C'est bon? Perdu. Non, il est très beau. Il a les yeux verts. Il a c'est quelque vrai chose de... Oui, je te jure. Comment il s'appelle? Gad Elmaleh. Exact. Je suis d'accord. Ah oui, d'accord. Vite fait, hein. Gad Elmaleh qui est pas allé chez le coiffeur, mais c'est ça, à peu près. Ben là, il venait d'aller chez le coiffeur. Non, qu'il est allé chez... Ah bon? Oui, je te jure, normalement, il est... Oui, moi, je le trouve... Aussi. Je sais pas, il me semble... Il est très gentil, en tout cas, il est charmant. Il a un beau regard. Mais tu sais que c'est la première fois que je suis avec quelqu'un qui a des aussi beaux yeux. Est-ce que ça te fait rire ou pas? Ouais, je sais pas, je vais pas me servir de ton truc parce que c'est... Est-ce que tu l'apprécies, c'est Livio? Froid. Livio, si tu regarde. Si tu l'apprécies pas, moi je... Hein ton alors... bastos. Oh.
Je crois qu'il a validé. Il a validé, mais il était un peu choqué aussi. Oui. T'es drôle. Non, mais il est très bien. Bah, c'est bien. Ouais, ouais, ouais. Bah, un jour, faudra que vous le rencontriez. Et pourquoi j'ai de la bave même sur les doigts, partout? Et coucou. Bonjour. Salut, mon cœur. Ça va, Célia? Oui, ça va, vas-y, pardon, rentre. Merci. Je t'amène le colis. Alors, il paraît que le colis a été capricieux. C'était compliqué cette nuit. C'est vrai? Très compliqué. Il n'a pas voulu dormir. Il s'est endormi très tard. Salut, chérie. Il s'est endormi à quelle heure? 1h du matin. Mais oh c'était, là là. Il s'est réveillé vers 3-4 heures. Ouais. Et en fait, je pense qu'il n'a pas fait caca. Depuis 2 jours. Ouais. Donc, ça depuis 2 jours? Ouais. Donc là, il est constipé. Donc je t'explique, il y a une chance sur deux que tu... Que j'ai le droit à la grosse commission. Que tu as le droit à la grosse commission. Et ça va être la plus grosse commission qu'il ait jamais faite. Non, c'est pas vrai. Là, ça va être... Mais après, peut-être que ça va être après 14 heures, donc j'aurais peut-être récupéré. Ok. Alors. Tu vas faire la grosse commission à ta fille. C'est possible. Coucou, chérie d'amour. Oh non, t'es beau. Et il a dormi du coup, ou quand même il... Ouais, mais il a dormi, mais fractionné, quoi. C'était compliqué. Et Maëlle, elle doit être tellement énervée. Ah ouais, on n'en pouvait plus. C'est vrai. Ah, franchement, c'est dur. T'es fatiguée. Elle était fatiguée. Moi, j'étais fatiguée. Et lui, il faisait que crier. Oh là là. C'est dur, hein, franchement. Les nuits comme ça, heureusement, il nous en fait pas tout le temps. Hein, ouais, c'est rare. Mais voilà, oh c'est dur. C'est dur. Ouais, ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, mais alors, qu'est-ce que tu leur as fait faire, toi? Ouais, ouais. Donc, il faut qu'il fasse caca, en fait. Ouais, il faut qu'il fasse caca. Je vais te faire des petits massages. D'accord? Des petits massages. Oui. C'est drôle. C'est vraiment génial. Tout mardi. Ouais. On les connaît par cœur. Ouais, tu m'étonnes. Bon, ben voilà, Célia. Après, il y a ça. Ah hein, oh oui, Maëlle m'a dit. Si des fois, il est chiant. Ouais. Et on dirait qu'il part une semaine, tu non, sais. Ouais, non, c'est 2 heures, mais en fait, il était tellement horrible hier soir et cette nuit qu'on s'est dit, on va juste le donner à Célia, juste le jour. Mais finalement, il s'est réveillé ce matin de bonne humeur, donc... Mais il savait donc, qu'il allait voir Tati. Tu sais que c'est la première fois que je garde un bébé. Ah ouais? Ouais. Bah, écoute, mais t'inquiète, hein. Tu vas le garder 2 heures. Il y a juste un biberon à lui donner, ça c'est sûr, à 100% qu'il va devoir, tu vas devoir lui ouais, donner. Ouais, trop bien. Ça, c'est sûr. Et le caca, bah, c'est une chance sur deux. Bah ouais, écoute, hein. Je vois que les chaussettes sont I love mommy, il n'y a pas I love daddy. Il y a, mais on ne les met pas. Ok, c'est ok. C'est Maëlle qui choisit les chaussettes. Elle les met rarement. C'est bizarre. Hein. Oh, bébé. Ah oui, mon chéri. Oh non. J'aimerais tellement habiter là pour le garder tout le temps. Bon, ben, bah, profite bien, hein. Kiff. Ok. À allez, toutes. Merci Célia, à tout à l'heure. Allez, bisous. Ciao. C'est de l'ASMR. Et c'est là. Oui. Oh mignon, qu'est-ce qu'il y a mon chéri? T'as pas déjà faim? Non, c'est pas tout de suite. Papa, il a dit faut attendre parce que t'es trop gros. Moi, je trouve que t'es pas trop gros, t'es parfait. T'es parfait, ils se sont trompés, c'est sûr, ils se sont trompés. Hein? Ils se sont trompés, hein. Qu'est-ce que tu veux? Quoi? Tu veux que j'en fasse ça? Ah oui, ça t'aime bien ça. Oh non! Les vieux! Oh non! Oh lolo! Attends Lily, j'arrive! Ah non, c'est pas ça qu'il faut faire! J'arrive, Lily! Comment on fait? J'arrive, Lily! Non. Allez, on va dire.
On va voir si t'es un comédien. Mais quel comédien? Ta mère m'avait prévenu, hein. Mais voilà. Ah bah, je t'en prie, Livio. T'es pas gêné, hein? C'est comme ça que tu me remercies? T'en fais un de ces bruits. Oh non! Hello! Coucou! Oulala! Oh non! Attends, attends, deux secondes, attends. Oh non, non, non! Non, non! Qui c'est ce bébé? C'est le mien? Bah, c'est le nôtre. Qu'est-ce que tu racontes? Bah, tu savais pas? Tu voilà. Fais du babysitting. C'est mon petit cousin. Ah, mais il est trop mignon. Mais il a pas l'air très content, là. Il n'a pas l'air super heureux d'être avec toi. Il vient de prendre le bibi et là, il a fait son petit rôle, mais je pense qu'il a pas tout donné encore. Ok. Ok. Salut. Comment il s'appelle? Elle est drôle, ta coupe. Ouais, je t'avoue que j'ai pas encore pris de douche. Ah oui, d'accord. Ouais. Bah lui non plus, tu vois, il a même pas fait caca aujourd'hui. Ah, le pauvre. Ah ouais, il a mal au ventre, c'est bah ça, oui, je connais ça. Il a mal au ventre. Eh oui. Ça va? Bah ouais, ça fait plaisir de te voir. Bah ouais, moi aussi. Tu vas rigoler, hier j'ai parlé de toi pour la première fois. C'est pas vrai. Ouais, je te jure. À qui? À ma cousine et à ma mère. Eh bah écoute, ça me fait grand plaisir. Ça te touche? Ouais, ça me touche. Qu'est-ce que t'as dit de beau sur moi? Je m'en rappelle plus. Mais bon, déjà, j'ai parlé de ta présence. Ma présence, c'est-à-dire? De ton existence. Ah, mon existence, oui. Bah oui, d'accord. C'est déjà beaucoup. Pareil, tu pensais ma présence quand je rentre dans une pièce, par exemple, tu vois? Ta prestance, une grande présence. Oui, prestance, présence, tout ça, c'est lié. C'est pas pareil, tu sais. Il est très drôle. Il est drôle. Bon. Mais c'est bien. J'espère qu'on va se voir bientôt. Bah oui, bah écoute, je rentre le 5. Donc, quand je rentre, si tu veux, on se voit direct. Ça marche. Est-ce que tu m'as fait un cadeau? Ah, je sais pas mentir. Non, pas encore. Mais il y en aura peut-être un, si tu es très sage. Ah, c'est gentil. Coucou! 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 Hé, hey, coucou! Tu lui fais peur! Tu crois? Oui, je pense. Ah non, Lily! Ah zut! Bon, je te laisse, d'accord? Ouais, je pense que là, t'as besoin de. C'est compliqué, mais on se rappelle? Oui, je te fais des gros bisous! Moi aussi! Bisous, bisous! À très bientôt, prends soin de toi! Bisous! Bisous! Ciao, ciao! Ciao! Bisous! Ciao! Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette couche? Qu'est-ce qu'il y a dans cette couche? Hein? Coquin. Qu'est-ce qu'il y a dans cette couche? Alors, on va tout sortir. Ça. Ça en cas de gros dégâts. Alors. Voyons voir le chantier qu'Eti nous a fait. Ah, il y a une petite crotte, mais elle est toute petite. Elle est toute petite. C'est normal qu'elle soit si petite. Bon, je vais y arriver. T'inquiète pas. Tu me fais pas pipi dessus. Tu me fais pas pipi dessus. Je me rappelle plus. Alors. Ouh, il y a une odeur. Il y a une odeur. Il y a une odeur.